Ouais, l'une des attractions de ce match, c'est lui. Il reste sur une superbe série, 3 buts en 3 matchs. Restez bien avec nous, on se retrouve dans un court instant pour le coup d'envoi. Salut, bienvenue à tous. Vous allez suivre ce match en bonne compagnie, installez-vous. C'est Hervé Matou. C'est une rencontre de l'UEFA Champions League. Nous allons suivre ensemble un match de groupe. Le Dynamo de Kiev face au Benfica. Équipe visiteuse qui est dans l'obligation de l'emporter pour ne pas disparaître dans cette compétition. Ça s'annonce compliqué. Voilà ce match du groupe de Champions League qui débute à l'instant. Bonne interception de Tamendi. Allez, il y a de l'espace devant lui. Oh, quel manque de lucidité. Oh, ce face-à-face était bien à jouer. Il faut s'appliquer un peu. Ouais, la passe est interceptée, le ballon est perdu. Ouais, coup franc pour Benfica. On revoit cette intervention défensive irrégulière. Weigl. Enfin maintenant. Oh, il y a des solutions, il y a danger. Rafa. C'est récupéré dans le camp de l'adversaire. Magnifique l'intervention du gardien qui nous sort ce ballon. Corner, le ballon en pleine surface. Corner dégagé par la défense. Un jeu qui se poursuit malgré ce tacle. L'avantage. João Mario. Oh, mine de rien, il continue là d'avancer. João Mario. L'occasion de prendre l'avantage. Et le magnifique arrêt du gardien. Il a cherché le point de pénalty sur ce corner. C'est un petit peu brouillon en défense. Hein. Il est mal dégagé ce ballon. Un tir lointain. Le Benfica à l'attaque. Oh, quelle détente! Oh, il est allé la chercher très loin, celle-là.
Le corner, le ballon qui arrive au point de pénalty. Le gardien qui est là sur ce corner. Allez, l'occasion de passer devant. On est passé tout près de l'ouverture du score dans ce match. Ça en est fallu de pas grand-chose. Oh, la faute, et il y avait danger. Et l'arbitre, logiquement, va sortir un carton. Oh, c'est dangereux. Oh non, mais c'est pas possible à cette distance. C'est pas possible. João Mario. Attaque du Benfica. Ouais, lumineuse cette passe. Et le but, le premier but dans cette rencontre. Ah, il leur coûte cher, hein, ce ballon perdu. Voilà, le score qui est donc ouvert, 1-0. Otamendi bien placé, qui intercepte. Ça a été dévié, touche. Tsigankov. Et ils sont à la récupération. Le Benfica à l'attaque. Ah, j'ai parlé un petit peu trop vite. Oh, le but pour Benfica. Il y a encore un que c'était sous le mauvais pied, hein, parce que la frappe est bonne, elle est précise. Et ça fait maintenant 2-0 au tableau d'affichage. Ils accentuent leur avance. Et la passe qui trouve un joueur de l'équipe adverse. Le graphisme qui est assez parlant. La possession du ballon est bien visiteuse. Et si la victoire se profile pour cette équipe, c'est parce qu'elle a trouvé la solution pour déstabiliser la défense adverse. Oh, le super barré! On la voyait tous au fond, mais le gardien était là. Qui ne s'était plus créé l'occasion depuis longtemps. Et les supporters qui se réveillent avec ce corner. Une occasion de revenir dans le match peut-être. Le corner qui va arriver en plein milieu de la surface. Et le gardien qui est sur ce ballon. On va s'arrêter un instant parce que il y a des nouvelles importantes du côté du Bayern Munich. Un but sans doute. Oui, il s'agit du premier but pour le Bayern de Munich. Un but à zéro donc après 35 minutes de jeu. Merci à vous. Ah, c'est pas fini, ils peuvent peut-être partir en contre. Ah oui, magnifique, la parade du gardien. Ah, bien appliqué, João Mario sur ce corner. Oh, de l'air pour la défense avec ce dégagement. L'arbitre qui laisse l'avantage, c'est bien vu. En profondeur, oui, bien vu. Et il gagne quelques mètres. Verbic.
Ah, bien joué, super barré. Bien défendu. L'équipe qui domine un petit peu là depuis quelques minutes et qui peut à nouveau compter sur le soutien de son public malgré le score défavorable. Allez, plus qu'un but et ce sera l'égalisation, il faut y croire. Le joueur là qui élimine d'abord le défenseur qui lui barrait la route. Et derrière, il a tout le temps d'ajuster le gardien de la tête sans même avoir à sauter. Il mène à la marque désormais 2 buts à 1. Et 2 minutes seulement ont été ajoutées par l'arbitre. Tsigankov. Popov. Il file seul vers le but. Oh, génial! Quel arrêt génial! Le réflexe à bout portant. Bien tiré le corner là. Oh, quelle détente! Oh, il est allé la chercher très loin celle-là. Et le tireur qui a visé à la zone du point de pénalty. Voilà, léger avantage, mais avantage quand même à la pause, avec ce score de 2 buts à 1 à la mi-temps. Là, je trouve qu'il fait un bon match, une bonne première période en tout cas. Ouais, lumineuse cette passe. Et le but, le premier but dans cette rencontre. Le retour des joueurs pour la seconde période de ce match de groupe de Ligue des Champions. Weigl. Allez, il n'y a personne, il peut prendre l'espace. Bon, le défenseur intervient au dernier moment. La passe qui trouve un joueur de l'équipe adverse. Ouais, lumineuse cette passe. L'appel de balle et la passe en profondeur. Et c'est sorti, ce sera à nouveau un corner. Le corner en direction du point de pénalty. Et cette tête qui ne donnera rien. Bien gênée par le travail défensif. Allez, l'entraîneur qui va faire entrer un joueur frais. On va essayer d'égaliser. Il reste encore du temps. La passe n'arrivera pas à destination. Oh, la faute! Ouh, la faute, trop d'engagement sur ce tacle. Ça sent le carton jaune. Il s'est un petit peu laissé emporter sur ce tacle glissé, on dirait.
Elle combine à deux. La passe est coupée et bien défendue. Ah, il y a beaucoup d'espace devant. Ouais, il y a des options dans la surface. Julian Weigel. Ouais, la bonne interception. Popov. Excellent tacle qui lui permet de récupérer cette balle. Il y a peut-être moyen de placer un contre, attention. Qui sort, ce sera une sortie de but. Tacle glissé, on l'envoie. Tsigankov cherche une ouverture, bien sûr. Benjamin Verbic, le centre en retrait. Allez, corner pour recoller au score. Écoutez les supporters hein, qui aimeraient que leur équipe égalise sur ce corner. Avec ce changement tactique, l'entraîneur qui espère redynamiser son groupe. Un corner adressé au niveau du point de pénalty. Tsigankov. Ouais, il a le temps de centrer. Oh, la puissance. Voilà, voilà, si vous voulez, la puissance sans la précision, c'est ça. On va s'arrêter un instant parce que il y a des nouvelles importantes du côté du Bayern Munich. Un but sans doute. Oui Hervé, avec le deuxième but pour le Bayern de Munich. Un but marqué par Thomas Müller. Même si la défense n'est pas irréprochable sur ce coup-là. Allez, ils peuvent égaliser là. Le gardien qui repousse, attention. Et en deux temps, le ballon qui est sécurisé. Premier arrêt exceptionnel. Hein. Et puis la prise de balle dans un deuxième temps, c'était chaud. Non, il y a hors-jeu, hors-jeu. Ouais, peut-être une situation intéressante là. Ouais, une frappe lointaine, pourquoi pas. Oh, la transversale! Et il redonne le ballon à son équipe avec cette récupération. Très bien défendu, très propre. Il fallait le récupérer hein, ce ballon. Oh, apparemment, un but vient d'être marqué. Dans le match du Bayern. Oui Hervé, c'est le troisième but en faveur du Bayern de Munich. Un but marqué par Thomas Müller. C'est son deuxième aujourd'hui. Mais c'est aussi la défense qui a commis une erreur. Le score est maintenant de 3-0. Alors que la rencontre a débuté il y a 73 minutes. Merci infiniment. Enfin, dans la possession, c'est surtout l'équipe locale hein, qui a le ballon en ce moment. On sent que l'équipe a vraiment envie d'aller chercher cette égalisation. Elle est combative. Mais attention, parce que la montre tourne et les minutes défilent contre elle. Interception. Allez, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Attention, il a du champ devant lui. Ouais, la belle aspiration sur cette passe. Il va ramener le jeu dans l'axe. Attention à la frappe. Quel arrêt! Oh, quel arrêt! Un plongeon exceptionnel! Et ce sera un corner à suivre. L'occasion pour l'équipe de plier le match, peut-être dans les dernières minutes de jeu.
Ouais, bien appliqué, João Mario sur ce corner. Et la tête qui va passer hors cadre. Il faut dire qu'il y avait du monde pour l'embêter. Et on arrive dans les 8 dernières minutes du temps réglementaire. Oh, ils vont plus revoir, ils vont plus revoir. Ils sont aux abois, les plus forts. Oh, le but pour Benfica. On va revoir tout ça. Il élimine bien son adversaire direct. Le gardien qui est devancé au premier poteau. Ah, ça a été quand même un but évitable, hein. Et avec ce nouveau but, ça nous fait donc 3-1 maintenant. Plus que 6 minutes à jouer dans le temps réglementaire. On va s'arrêter un instant parce qu'il y a des nouvelles importantes du côté du Bayern Munich. Un but sans doute. Oui Hervé, avec ce nouveau but pour le Bayern de Munich, un but. But inscrit par Choupo-Moting après avoir profité d'une erreur de la défense. Au tableau d'affichage, on en est à 4-0 maintenant, après 85 minutes de jeu. Merci, c'était bien complet. Oh là là, l'occasion. Oh, quel gâchis, mais quel gâchis. Presque seul face au but. Ça manquait vraiment de finesse. Il s'infiltre, attention. João Mario. Oh, la bonne occasion. Oh, magnifique, l'intervention. Superbe réflexe dans les buts. Ouais, il élimine son vis-à-vis. Voilà, il a récupéré le ballon, c'était chaud là. Alors, peut-être l'occasion de placer une contre-attaque. Finalement, elle ne donnera rien à cette contre-attaque. Glisse ce ballon en profondeur. Oh, c'est un poison, la défense qui ne... Ah, c'est son troisième aujourd'hui. La défense ne retient pas les leçons. On voit le ralenti. On voit d'abord qu'il élimine bien son adversaire direct. Ensuite, à cette distance, c'est clair que c'est difficile de rater. Et l'arbitre siffle la fin du match. Il vient de signer un match vraiment de toute beauté. Il a été en réussite dans tout ce qu'il a tenté. C'est vraiment l'un des grands artisans de la victoire aujourd'hui. Il a été un joueur essentiel dans cette rencontre. Un des acteurs essentiels de cette victoire, bien sûr. 3 buts aujourd'hui. C'est pas rien. Oh, le but pour Benfica.
finally made some time for me. I'm happy, I'm calm, I'm jiggy, I'm sweet, I'm tasty.